Allô? Allô, Jacqueline? Oui, rebonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va, j'ai beaucoup de monde chez moi aujourd'hui. Alors, cette opération de la cataracte, comment ça s'est Ah, ben, passé? ça s'est bien passé cette fois-ci. J'aime bien parler et puis j'aime beaucoup écouter et j'aime bien plaisanter. C'est des conversations complètement diverses, hein. On parle de culture, on parle du temps, on parle du repas de midi. Le 28, j'y retourne. Oui. Là, on va me prescrire les lunettes qu'il me faut. Voilà, ça ira mieux quand j'aurai les lunettes. Oui, mais c'est déjà pas mal. Le but du jeu, déjà au départ, c'est de savoir s'ils vont bien. Certains sont vraiment tout seuls. C'est vraiment agréable, quoi. On sent utile. On n'est pas seul comme ça. Et on vieillit mieux. Parce que les personnes qui se renferment, qui restent toujours seules, ils vieillissent très très mal. Souvent, nous arrivons chez les personnes un peu fatiguées, pas très bien. Et quand on part, eh bien, le visage a complètement changé. Un moment de bonheur. Et je dors mieux. Parce que ça, écouter ces messieurs jouer me donne beaucoup de joie. Et ma tête se vide. Et le soir, je retrouve mieux le sommeil. Si ça apporte aux personnes, ça nous apporte aussi. Parce que la musique, ça libère. Quand on fait de la musique, on ne pense plus à rien d'autre. Et ça contribue à un monde meilleur. On ne change pas la place du monde, mais on l'améliore, petit à petit. Je crois que c'est la seule ville qui fait ça, hein, des sorties en minibus comme ça. On va chercher les gens chez eux, et puis après, le soir, on les ramène chez eux. Voilà. Alors les dames, elles sont... Les dames et les messieurs, parce qu'on a quelques messieurs quand même. Et ils sont ravis, quoi. Des gens qui sont très très seuls, qui ne voient des fois personne de la semaine. Ça nous change la vie, on a des amis, on fait plein de connaissances, on voit des beaux lieux, des beaux sites, il y a des activités, c'est vrai, vraiment très intéressantes. J'ai envie de leur retransmettre de la vigueur, de l'énergie, j'ai envie de leur montrer qu'elles sont utiles et qu'il faut qu'elles soient là avec nous, qu'il ne faut pas qu'elles se laisse aller, voilà, ouais. Quand le petit bus vient nous chercher, c'est toujours la grande surprise. On ne sait pas qu'il y a à l'intérieur et c'est plein d'amis. Et donc, on a tellement de plaisir à se retrouver et des activités vraiment, enfin, moi qui m'intéresse beaucoup. Ça devrait être remboursé par la Sécu, vous voyez, tellement ça nous fait du bien.